Suki est un ancien chien de garde vivant en Roumanie qui a passé les 8 dernières années majoritairement enchaîné. Maltraité par les humains, Yuki a ensuite été abandonné après des années de calvaire et d'absence de liberté. Pris en charge dans un refuge, le toutou devait alors être euthanasié. Heureusement, il a eu la chance de croiser la route d'une adorable famille qui a décidé de l'embarquer dans ses aventures et de lui offrir une nouvelle vie bien méritée auprès de deux autres chiens. Une fois dans sa nouvelle famille, Yuki a commencé à découvrir des tas de nouvelles choses, le plaisir des gratouilles sur le ventre, le confort d'un bon canapé, le bonheur d'avoir des friandises et la liberté de faire ce que bon lui semble. Mais ce n'est pas tout. Yuki a aussi appris à jouer. Une chose que le chien ne savait absolument pas faire. C'est sur son compte TikTok que la maîtresse de Yuki, prénommée Annie, a décidé de documenter la nouvelle vie de Yuki et ses nombreuses découvertes. Elle a donc partagé la rencontre touchante entre Yuki et son tout premier jouet, mais aussi sa première peluche. Des moments bouleversants car le toutou ne savait alors pas du tout comment se comporter en présence d'un simple jouet. Même si Yuki a été maltraité par plusieurs hommes, il a aujourd'hui décidé de faire confiance aux nouveaux hommes de sa vie. Comme l'explique Annie, Yuki est même devenu proche de son papa.